Bon, petite vidéo accélérée, comment traiter une photo infrarouge. Donc ça, c'est ce qui sort directement de mon capteur. La première étape, c'est que je vais ajuster la balance des blancs. Et on voit que Lightroom n'arrive pas à ajuster la totalité de la balance des blancs. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je vais éditer cette photo-là dans Photoshop, juste pour créer une copie finalement avec la correction de ma balance des blancs. Je le referme parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Je recorrige la balance des blancs sur cette copie. Voilà, donc ce coup-ci j'ai un arbre qui est bien blanc, j'ai l'herbe qui est bien blanche. Donc là par exemple je vais pouvoir jouer par exemple sur la clarté. On va augmenter un peu le contraste. On va aussi, tant qu'à faire, refaire le cadrage correctement. Voilà, en retirant ce que j'avais les feuilles sur le côté. Voilà. Et donc là, ben, je vais corriger là car j'ai un petit bout qui dépassait. Et là, je vais retourner dans Photoshop, donc modifier dans Adobe Photoshop. Il me demande est-ce que je vais modifier l'original ou une copie avec les corrections. Je veux une copie avec les corrections. Et là, je vais simplement aller dans Images, Réglages, Mélangeur de couches. Donc pour le rouge, je vais mettre 100% dans le bleu. Et pour le bleu, je vais mettre 100% dans le rouge. Voilà. Donc on voit qu'il reste une dominante un peu rouge là-dessus, mais on va voir que c'est assez facile à retirer. Je reviens dans Lightroom. Donc là, j'ai ma photo avec son ciel relativement bleu. Pour retirer cette dominante rouge, bah, c'est assez simple. On va retirer simplement là. Saturation du rouge, la saturation de l'orange, voilà, donc là on a l'arbre ce coup-ci qui est bien blanc, l'herbe qui est bien blanche, le sel qui est bien bleu, on peut encore éventuellement rajouter un peu de clarté pour dramatiser la chose. Voilà, c'était une petite vidéo rapide, comment traiter un infrarouge.